par la joie. Ouais, amen. Amen. Comme ça. Aujourd'hui est un grand jour où nous allons procéder au baptême. Et ensemble, avant que nous allons procéder à ce baptême, nous voulons voir ensemble ce que les Écritures nous disent. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Actes. Actes 8. Et nous allons commencer par le verset... Non, pour rien. 29. J'ai la Bible là-dessus, mais... Acte 9, verset 29. La Bible nous dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui le dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'Eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète ici parle-t-il? Est-ce de lui-même ou est-ce d'un autre ?» Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'Eunuque ne les vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Amen. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Les Écritures nous interpellent pour que nous puissions croire à celui qui a donné sa vie pour l'humanité, à celui qui est mort et qui est ressuscité. La Bible nous dit, si nous croyons, nous devons faire un acte qui va démontrer au ciel, qui va démontrer aux hommes, qui va démontrer aux anges que nous allons concrétiser notre engagement. Et cet acte, mon frère, ma soeur, s'appelle le baptême. Amen. Amen. Nous ne baptisons ni des petits-enfants, ni des bébés, mais nous voulons baptiser des personnes qui sont conscients de cette réalité et qui se sont repenties devant le Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous dira dans le livre des Actes, alors que le Saint-Esprit est descendu et qu'il a commencé à toucher les 120 personnes, quand les 3000 personnes arrivèrent, ils sont allés chez Pierre et ils ont commencé à dire, « Mais frère, que devons-nous faire pour être sauvés ?» Et la Bible nous dit que Pierre a annoncé la parole et leur a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Nous avons vu différents passages à travers la Bible dans lesquels nous voyons que Dieu nous interpelle à nous repentir et à être baptisés. Amen. Nous allons encore lire notre Bible dans les livres de Matthieu et vous allez voir ensemble ce que la Bible nous dit. Matthieu. Et nous allons ouvrir au chapitre 3. Matthieu 3. Chapitre 3, et nous allons faire le verset 1er. En ce temps-là apparut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui en confessant leurs péchés et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve
et Jourdain. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Moi je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand et plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter, de délier ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus vint de la Galilée du Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait et disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été élevé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Et voici une voix s'est fait entendre du ciel. Ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Quand nous décidons de nous engager par les eaux de baptême, non seulement nous naissons d'en haut, nous devenons une nouvelle créature, mais la Bible, l'apôtre Paul nous dira que le baptême est également une demande à Dieu d'une conscience purifiée. Amen. Amen. La Bible nous dit que alors que Jésus a été baptisé, les cieux s'est ouvert. Et aujourd'hui, pendant ce temps de baptême, pour la vie de mon frère qui va se faire baptiser, le ciel est ouvert pour sa vie. Amen. À partir d'aujourd'hui, mon frère, le ciel va être ouvert à ta prière quand nous décidons de nous engager par les eaux du baptême. À ce moment-là, les cieux s'ouvrent à notre prière. Amen. 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 Oui, Dieu a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être sauvés de la malédiction, sauvés de la condamnation qui vient sur le monde. Amen. Parce que la Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas à Jésus-Christ, le jour du jugement dernier, la Bible nous dit qu'il sera condamné. Amen. Amen. Et nous ne voulons pas vivre sous l'effet d'une condamnation ou sous l'effet d'un jugement. Mais nous voulons vivre en tant que sauvés par la grâce que Jésus nous a donnée. Amen. 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 Alors pendant ce temps vraiment où nous entendons ce message, où nous pouvons entendre l'appel de Dieu pour nos vies, nous voulons répondre toujours plus à Dieu qui nous a sauvés. Amen. Amen. Chaque jour de nos vies, vous savez, le baptême n'est pas simplement un engagement d'une journée. Le baptême est le même symbole que le mariage. C'est une alliance que nous formulons avec Dieu. Et dans cette alliance, nous allons la renouveler jour après jour par nos prières, par notre approche à Dieu. Également par la Sainte Cène que nous prenons à l'église. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, non seulement je t'ai donné ma vie, non seulement je t'ai suivi par les eaux du baptême, mais je m'engage à te suivre tous les jours de ma vie jusqu'à que je quitte cette terre. Amen. 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 Et le jour où j'irai dans le ciel, alors à cause de cet acte et à cause de ma persévérance, mon nom sera inscrit dans le livre de la vie. Amen. Amen. Vous savez, le jour où nous arriverons au ciel, au paradis, il y aura un livre, il y aura deux livres qui vont être ouverts. Le premier est celui qu'on appelle le livre de la vie. La Bible nous dira dans les livres de l'Apocalypse que quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans ce livre sera jeté dans les dents de feu. Comment pouvons-nous être inscrits sur ce registre? Comment pouvons-nous être inscrits sur la liste du ciel? C'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en lui donnant notre vie, en acceptant de passer par les eaux du baptême, ce qui est le symbole de renoncer à notre vieille nature,
de renoncer à notre personnalité pour nous engager dans un nouveau style de vie. Amen. Amen. Et ensuite, la Bible nous dit, à ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, pour vous, vous aurez la grâce d'avoir un deuxième livre qui va être ouvert. C'est celui qu'on appelle le livre des souvenirs, dans lequel Dieu va voir toutes les actions que tu as faites par amour de son nom. Toutes les fois où tu lui as obéi et tu as décidé de marcher dans l'intégrité, dans l'obéissance avec Dieu. Et c'est en fonction de ce qu'il y aura écrit dans ce livre qu'au ciel, tu auras une récompense. Au paradis, il t'est réservé une récompense parce que tu auras obéi et accompli des choses pour l'amour de son nom. Amen. Amen. Et aujourd'hui, pour la vie de mon frère, ça va être le temps où son nom va être inscrit dans le livre de vie. Amen. Le nom de ton nom, mon frère, aujourd'hui va être inscrit dans le livre de la vie. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Que vraiment nous puissions vraiment acclamer pour le Seigneur. Et la Bible nous dit que quand un pécheur se repent, quand un pécheur revient de sa mauvaise foi, alors à ce moment, la Bible nous dit qu'il y a de la fête dans le ciel et que les anges dansent dans le ciel à cause de la vie d'un seul pécheur. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour assister non seulement à cette victoire dans laquelle il a triomphé il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Il a détruit le pouvoir de la mort. Il a détruit le pouvoir du péché. Et la Bible nous dit qu'il l'a cloué, qu'il l'a livré en spectacle devant tous à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Dieu a détruit le pouvoir du péché. Amen. Et Dieu nous rend libres en acceptant de suivre ses enseignements, en acceptant de suivre ce qu'il nous demande de faire. Alors il nous rend libres du pouvoir du péché et libres de la mort. Il a dit, celui qui croit en moi vivra toujours. Il ne mourra point, mais il vivra. Amen. Même le jour où il quitte cette terre, il sera passé de la mort à la vie. Amen. La vie éternelle sera gravée à tout jamais. Amen. Alors nous allons remercier notre Seigneur pendant un instant. Nous allons prier pendant un instant. Et ensuite nous allons passer par les eaux du baptême. Amen. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remets ces instants entre tes mains. Amen. Je te demande maintenant ta grâce, Seigneur, pendant ce temps de baptême. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ce jour d'engagement. Amen. Mais je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de garder la vie de mon frère tout au long de sa vie. Que la vie de Christ puisse être marquée dans son cœur, dans ses pensées, dans sa conscience. Que Seigneur, à travers cet engagement, que tu puisses lui tenir la main tous les jours de sa vie. Que tous les jours de sa vie, Seigneur, tu puisses lui rappeler le souvenir de son engagement. Le souvenir de cette alliance qu'il a fait avec toi. Et que Seigneur, qu'il puisse voir ta grâce et ta gloire dans sa vie. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Attends, Amen. Nous allons ensemble remercier le Seigneur et nous allons bénir notre Dieu pour ce jour glorieux de baptême. Amen. Et nous allons ensemble élever nos voix. Prions ensemble pour un instant. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que Seigneur, c'est un jour de gloire. C'est un jour, Seigneur, de puissance. C'est un jour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'autorité. Dans lequel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vas ouvrir le ciel sur la vie de mon frère maintenant. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Parce que tu as dit dans ta parole, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai transmis. Seigneur, nous voulons réellement te bénir et t'exalter pour ce jour glorieux, parce que tu es glorieux, Seigneur, et digne de louange, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es grand et puissant, et nous te célébrons dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia.
gloire, et louange, gloire, et louange, alléluia. Gloire, et louange, alléluia. Alléluia. Gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, et louange, gloire, et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Qu'elle lève des fois, elle dit bien, Seigneur. Tu es celui qui est assis dans le trône de gloire et qui a la plus haute royauté. Jésus-Christ, mon Seigneur, que notre Père Céleste, ton Saint-Esprit, et domine ton nom, on est sur le ciel, Seigneur. Encore par la gloire, la louange, l'adoration éternelle. Dieu des cieux, amen. Amen. Aujourd'hui, frère Giovanni, devant les hommes, David, devant les anges, devant le trône de Dieu, devant ton Père qui est dans les ciels. Est-ce que tu veux accepter aujourd'hui, devant le monde, de suivre Jésus, de lui donner ta vie et d'être son disciple et de marcher sur ses sentiers? Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur et nous allons procéder à son baptême. Tu peux t'asseoir? Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre gloire. Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas au Fils de Dieu, à celui qu'on appelle Jésus-Christ, sera condamné le jour du jugement dernier. Seigneur, mon Dieu, moi, conformez-moi à ta parole. Seigneur, notre frère Giovanni a déclaré devant les hommes, devant les anges, devant ton trône de grâce, qu'il décide de devenir ton disciple, de marcher dans tes voies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de suivre ton sentier, Seigneur, envers et contre tout. Seigneur, mon Dieu, mon roi, et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons le baptiser au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je vois cet engagement que tu as fait devant moi. Aujourd'hui, je vois ton cœur sincère devant ma face. Souvent dans la vie, tu as eu des travers. Souvent dans la vie, tu as eu des difficultés. Mais déjà, dès ton enfance, tu sentais cet appel qui t'amenait vers toi. Déjà, quand tu étais plus jeune, tu sentais cet appel qui t'attirait à moi. Et aujourd'hui est un jour où j'ai accompli mon destin dans ta vie. Aujourd'hui va être un jour, à partir d'aujourd'hui, dans lequel je vais te conduire, dans lequel je vais te diriger, dans lequel tu vas voir que ta vie va être conduite par moi. Il y aura dans les jours qui vont venir des temps que tu ne comprendras pas. Il y aura des situations que tu ne comprendras pas. Mais une fois que Dieu te dit, regarde à toi. Félicitations, sûrement.